après ces instruments qui viennent des civilisations antiques du Mexique, de la civilisation du Golfe, ce sont des ocarinas. Je vais vous jouer cette flûte qui vient du Pérou, que vous avez vue lors de la conférence de Day représentée. C'était cet homme qui était en position de vol, les pieds, voilà, je ne vais pas vous le faire, mais je vais juste vous faire entendre voilà, le son de cette Kenya, ça s'appelle Kenya Chincha, de Céramica, donc c'est Kenya de céramique de la civilisation Chincha. Des effets semblables aux champignons, par exemple. C'est-à-dire que si on joue, paraît-il, très longtemps cette flûte, ça produit une sorte d'hypnose et ça vous met dans des états de transe et ça pourrait aider aussi les chamans. Alors, on n'aura pas le temps de faire cette expérience commune. Voilà. Mais je peux te faire entendre le son de cette flûte. Thank you.
flûte dont on a parlé d'elle, c'est la flûte Antara, en céramique, donc la flûte de Pan, de la civilisation Nazca, donc cette civilisation au Pérou qui a laissé des lignes dans le sol qu'on ne peut voir que du ciel. Et alors je vais vous la jouer avec un tambour. Et on voit cette pratique aussi attestée avant l'arrivée des colons, pratique de flûte accompagnée de tambour. Ensuite, comme vous allez, je vais vous le faire entendre tout à l'heure, il existait en Occident également une pratique de flûte et tambour, la flûte à une main et tambour que l'on retrouve encore de nos jours en Provence, au Pays Basque et en Espagne. Mais cette pratique était donc également sud-américaine avant l'arrivée des colons. Et donc, avec cette flûte, pour rechercher, puisque je ne sais pas où était
écouter ces musiques, je suis un précepte que m'avait donné aussi un jeune Indien chaman qui m'avait dit que c'est la flûte qui doit parler en moi et qu'il faut interroger la flûte. Il faut l'interroger, il faut passer du temps avec l'instrument et c'est la flûte elle-même qui va suggérer, je dirais, ces mélodies. Et c'est, j'ai trouvé ce précepte très intéressant, mais surtout je l'ai retrouvé plus tard dans des textes écrits au début du XXe par des ethnomusicologues qui avaient vécu chez les Indiens de Californie du Nord et qui disaient exactement la même chose, c'est-à-dire que celui qui fabriquait par exemple une flûte s'en allait pendant une semaine dans le désert, dans les prés, et il se laissait inspirer par la gamme de cette flûte. Et comme cette flûte venait de la fabriquer, il disait qu'il n'y avait pas deux flûtes identiques, et c'est la gamme de cette flûte qui lui inspirait les mélodies. Et les mélodies leur venaient ainsi, donc par l'expérimentation et le rêve. Et je vais profiter donc de cette pratique flûte et tambour pour passer à la pratique occidentale de flûte et tambour en vous jouant une mélodie médiévale qui était très célèbre en son temps, qui s'appelle Le lait du chèvrefeuille. Elle est associée au roman de Tristan et Iseult, puisque dans le Tristan musicien du Trouvert, Gerbert de Montreuil, il dit que Tristan lui-même flûta cet air, exactement dans la situation, pour se faire reconnaître de la reine Iseult.
Thank you.
et je vais vous jouer une estampille française, une estampille royale, avec cet instrument. Comme vous avez vu sur l'autre, il y avait également un double son, donc qui était obtenu en chantant dans la contredanse. Thank you.
5e siècle, dans les tribus des Ojibwe, qu'elle avait écrit Chippewa. Donc vous pouvez les trouver Chippewa, mais la prononciation, peut-être je peux redemander à Dale la véritable prononciation of the Ojibwe. Ojibwe. Et donc la première est une chanson d'amour, très 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 belle, qui a été collectée, c'est donc dans le Minnesota, et c'est dans les îles Mad Line. Et la deuxième est une très très belle mélodie, qui est une chanson qu'elle a collectée auprès d'une vieille femme, donc qui l'avait entendue plusieurs fois lorsqu'elle était enfant. C'est-à-dire que c'est une mélodie qui remonte au moins aux années 1850. Et c'est une mélodie de guerre, c'est l'adieu aux guerriers. Et cette femme disait que lorsque les guerriers du village partaient en guerre, les femmes leur faisaient une sorte d'allée, de haie d'honneur, et chantaient ce chant jusqu'à ce qu'on ne les voit plus. Donc la première chanson d'amour, la deuxième, l'adieu aux guerriers. Thank you.
très belle œuvre d'un compositeur mexicain, Mario Lavista, qui s'appelle Ofrenda. Thank you.
10. Voilà, nous allons vous improviser, nous avons travaillé quand même. Et là, voilà, nous allons jouer ensemble. Et Day m'a appris, mais donc c'est très frais, je veux dire, avec les 6 coups justement, ces flûtes qui permettent de partager la mélodie. Voilà, et donc.